Hola chicos, aquí estamos en un nuevo UHC Tonglight. Bon, je vais pas vous faire la suite en espagnol, parce que j'ai un espagnol de merde. C'est mon premier UHC Tonglight, enfin non, mon cinquième parce que je vais rename les anciens, mais c'est un nouveau concept, que je vais faire en post-commentary. J'en ferai peut-être un peu plus souvent parce que... parce que quand j'ai des bonnes games, ce qui m'arrive très rarement hein, parce que je suis nul à chier, j'ai la flemme d'édite en fait. C'est même pas que je sais pas faire, c'est que ça m'intéresse pas. Et j'ai aucune envie de demander à des gens d'éditer mes games. D'une part parce que je suis assez critique et bon, je risquerais de faire chier, de dire 18 fois que ce qu'on m'a fait ça me va pas et tout, et que j'ai pas envie d'être le gars chiant comme ça. Et d'autre part parce que j'ai envie de pouvoir me démerder moi-même avec mes propres games quoi. Parce que bon, je suis pas non plus incapable de faire du montage, c'est juste de la flemme, donc je vais pas demander ça aux gens, juste parce que j'ai la flemme. Donc comme on peut le voir là, ça a commencé, j'ai buté des vaches, j'en ai buté 4, elles m'ont pas droppé de cuir, donc extrêmement chanceux. Comme on peut le voir dans le tab aussi, on était 7, ou à droite. C'était une Twitter Game Only à 10h30 du matin, un truc comme ça, donc vraiment on était pas beaucoup. Et puis on va voir un peu plus tard dans la partie que qu'une fois que tous les cancers qui s'amusaient à demander à Lost... Excusez-moi, je risque de tousser un peu parce que je suis malade. Une fois que tous les cancers qui demandaient à Lost de les TP en 0-0 avec un full fer se sont déco pour aller faire l'UHCFR, et ben il ne restait plus grand monde parce qu'ils sont tous partis faire l'UHCFR alors qu'en plus il était nul à chier, j'ai pas compris. Donc du coup voilà, de base c'était un Cyber Vanilla Plus je crois, mais là il vient d'ajouter Cut Clean parce que ben, on était que 7 quoi. Le PVP est à 10 minutes, le meetup à 40. Donc on peut voir là, à l'instant on a pu voir qu'il y avait un spawner de zombies, on l'entend pas parce qu'il n'y a pas le son. Mais voilà, donc je vais miner vers le coffre, moi j'entendrai vraiment une quinzaine de zombies, 4 fils seulement, je regarde dans le slash UHC si il y a les selles, elles n'y sont pas donc évidemment je vais la laisser. Je suis parti, j'ai trouvé d'autres vaches donc j'ai récupéré du cuir, j'ai pas trouvé de canne à sucre malheureusement mais je trouve une double faille assez sympa donc je décide d'y aller. Voilà. Dommage qu'il y avait qu'un seul coffre dans le spawner à zombies d'ailleurs. Voilà, là je prends un cœur comme une sous-merde, vraiment bien joué moi. Et je commence à récolter le fer pour mon full fer donc. En le récoltant, je m'aperçois qu'il y a déjà quelqu'un dans cette faille, alors qu'on est que 7 dans la game, maintenant 6 parce que quelqu'un a déjà déco, fantastique. Donc je me dis que je vais me faire mon full fer et qu'ensuite je vais essayer d'aller le PVP. Donc là j'attends. Juste à côté, hein, on peut voir qu'il y a son pseudo, pas loin du tout. Enfin, je sais pas si on le voit bien parce que c'est super sombre. Ouais, donc j'attends un peu qu'ils soient partis. Je décide de miner vers sa cave. Et je vais la trouver. Il s'avère qu'en fait, il s'agissait d'une faille à explorer du coup, donc full obsidienne. On voit vraiment pas beaucoup. Je suis désolé. Hein. Le joueur ne semble plus être là. Là, le PVP a été activé. Hein, depuis. Y a un mineshaft en haut de sa faille. Ne le trouvant pas, je décide de monter dans le mineshaft pour récupérer le bois pour me crafter mon arc. En avançant dans sa cave, je vois qu'il a miné 4 d'opsy, donc j'en déduis qu'il doit être enchanté. Du coup, je dig up. Parce que. Je sais pas. Ok, il faut que tu aies une cette gueule. Je suis trop chier en vrai, mais. Et là, qu'est-ce que j'entends? Ah, il mine après moi. Il est en train de dig juste en dessous de moi, il m'a vu. Donc je me dis que je suis mort parce qu'il doit avoir une pioche en diable sans chance. Donc là je mets de l'eau parce qu'on va le voir plusieurs fois ça. Comme j'ai pas mes raccourcis, je joue à la molette, je fais plusieurs erreurs de switch. Donc là par exemple j'essaie de miner le bloc avec le seau d'eau, très intelligent. Le truc c'est qu'il va me rattraper, il m'a déjà mis un coup. Mais en le voyant il me semblait pas qu'il était enchanté d'ailleurs, c'est étonnant. Mais ouais, faut que je le mine vite, là je tombe sur du fer donc il va me remettre un coup. Il me manque 3 coeurs et demi, là je mets de l'eau comme une sous-merde. Il n'a pas l'air de me rattraper étonnamment, alors que il a une pioche en diams quoi vu qu'il a miné le psy. Même s'il est pas enchant, on est sûr qu'il a ça quoi. Je commence à me poser des questions parce que de toute façon même si j'atteins la surface avant lui en fait il risque de me chase pendant 10 ans je m'en sortirai pas vivant quoi. Mais bon. J'arrive à maintenir mon avance pour l'instant, là je suis quasiment à la surface, donc là voilà, je full saute parce que quand j'essaie d'appuyer sur. Sur sneak et sauter en même temps, ça donne un truc chelou, mais touche de clavier. Donc là, du coup, je commence à m'enfuir. Je regarde pas pour l'instant s'il est derrière moi, je vais regarder un peu après. On peut remarquer d'ailleurs qu'on est plus que 3 dans la game. Les autres ont déco. Pour aller faire donc le fameux UHCFR dont je vous parlais au début. Un infinitant chanteur rush cut clean. De la qualité.
Et là je me mets en double 5 et je m'aperçois qu'il n'est plus derrière moi. Et qui, enfin je vois pas son pseudo, il a pas l'air d'être derrière la picoline tout ça, donc tant mieux. C'est pas un cancer, il va pas me chase. C'est le moment où je réalise ici qu'on est plus que 3. Le mec qui m'a tapé est un autre joueur. Donc je vais lui envoyer un message quand même parce que je me pose des questions sur s'il est en short ou pas, parce qu'il a mis de l'opsy, ça c'est quasiment sûr. Et quand il m'a chase en fait, j'avais l'impression qu'il était juste pour le faire. Et là il me répond qu'il est pas enchanté. Du coup je comprends pas, je lui dis qu'il manquait l'opsy dans sa cave. Enfin que j'étais persuadé qu'il était enchanté et que c'est pour ça que j'ai couru quoi. Vu d'un peu mon inventaire, j'ai le bout d'un autre arc d'un squelette et il me répond en fait que c'est parce qu'il n'avait pas de cuir. Donc du coup j'ai run pour rien, j'aurais complètement pu le fight, sachant que de base j'avais 6% de plus. Il était pas en short, bon il avait peut-être une épée en diamant ou un truc comme ça, mais bon j'aurais pu prendre le fight quoi. Donc du coup bah je m'éloigne, j'ai trouvé que 2 de canne à sucre malheureusement. J'ai farm les pommes, j'en ai obtenu 3, j'ai trouvé une cave, comme on peut le voir, avec masse de mobs dedans, on va bientôt le voir, franchement il y avait des mobs partout, c'était infâme. Donc là il y a 2 squelettes, ils arrivent pas à me shoot, je bute l'araignée. Je suis dans une cave assez basse, mais je suis plus en F3, il y a un creeper juste là, je vais le buter aussi, ouais je suis couche 20 là. On peut voir qu'il y a un lac de lave, avec un bug de lumière évidemment parce que c'est Minecraft. Et en m'approchant, qu'est-ce que je vais voir? Du diamant. Donc je vais peut-être pouvoir, pas m'enchant, mais au moins me faire du stuff parce que, voilà, le meetup est dans 15 minutes donc ça me laisse bien le temps de miner pour me régénérer full vie. Hein. Bite ici dans une game à 3 joueurs, c'est important, faites-le. Malheureusement je m'aperçois que les diamants n'étaient que... Enfin c'était qu'un filon d'un quoi, c'était même pas un filon. Donc trop bien, je vais pouvoir en faire une pelle ou un shoebox. Je suis bien dans la game. J'ai un filon d'or mais malheureusement il y a une witch en haut, donc je vais m'éloigner pour explorer l'autre côté de la cave, voir s'il n'y a pas autre chose, mais hop, il n'y a absolument rien. Donc je vais retourner vers la witch et utiliser mes flèches, j'en ai que 4 pour la buter. Et à la quatrième flèche, elle meurt, heureusement, parce que j'en avais plus. C'est des flèches qui m'ont été loot pendant un squelette, donc je m'en vais pour miner l'or. Mais malheureusement, autre problème, il y a un squelette juste en face. Donc je vais aller vers lui, et là j'entends qu'il est tombé comme une sous-merde. Donc je me demande où il est. Voilà, je clique dans tous les sens, et il est à ma gauche. Il va me tirer une flèche parce qu'il est trop fort, hein, vraiment, il méritait la win ce squelette. Dommage que j'étais trop stuff pour lui. Et je vais pouvoir aller miner l'or, du coup, tranquillement. J'espère que c'est un filon d'huile, vu que j'en vois 4 en surface. Malheureusement ça ne sera qu'un filon de 4, comme on va pouvoir s'en rendre compte. J'allais dire l'apercevoir mais c'est un mot plus utilisé depuis 1952 donc je vais éviter. J'en retrouve un peu après en progressant dans la cave donc ça me permet de me faire une gap. Au final je vais pas tout laisser parce que bon je trouve des petits filons pas très intéressants, je vais avoir de quoi me faire mes 3 gaps juste. Donc il full avec une gap en rab. Ma cave va être finie donc je vais roller coaster. Voilà je l'ai mangé instant hein, d'ailleurs parce que y a pas l'apso évidemment sur Cyberg. Et en roller coaster, je tombe sur du diamant, donc voilà un petit filon de 4. Ce qui fait que j'ai 5 diamants, je vais choisir de me faire des bottes. Ne me demandez pas pourquoi, j'aurais pu me faire un casque, mais je me suis dit que peut-être j'allais en retrouver ou un truc comme ça. Du coup, j'ai rien retrouvé d'autre, je remonte vu que c'est le meet-up, et je vais me diriger vers le 0-0 pour. Je suis pas bien dans la game parce que s'il a trouvé du cuir, il est forcément enchanté l'autre depuis, mais je vais peut-être essayer de pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, je suis pas loin du 0-0. Là, j'ai réussi à avoir un chien avec les autres que j'avais, j'en avais 5. Et là, je vois un 3 quarts diamant sans short. Donc je me suis dit, ouais, bon, c'est pas le type que j'ai envie de fight quoi. Donc à moins que je clean up, je suis mort. GG. Ou alors, il a pas beaucoup de heal, éventuellement. Parce que bon, j'ai trouvé 3 poulets sur la route, donc j'ai 12 flèches. Au bout d'un moment, je décide de quand même me diriger vers le 0-0 parce que bon, je vais pas rester loin pendant 10 ans. Et. Il s'avère que je les vois en train de fight. On peut voir là, je le vois de dos en train de strafe. Donc il est en train de fight l'autre. Donc faut que j'y aille parce que éventuellement si je peux clean up, ça va me permettre de win quoi. Faut vraiment qu'il soit low. Donc j'essaie de tirer une flèche de loin. C'était pas très malin, j'aurais pas dû. Le premier joueur est mort, il reste 3 quarts. Je vois qu'il est à 24, mais malheureusement j'aurais pas le temps de le clean up. Là je suis trop loin. Et là, oh, j'ai eu un bug de record. Et hop, je reviens full games. Juste après ce bug de record, j'ai pas pu vous montrer ce qui s'est passé, c'est vraiment dommage. Lui il a plus qu'un plastron, je sais pas où est-ce qu'il a mis le reste de son stuff. J'ai récupéré des gaps aussi, ouais j'ai vraiment eu de la chance. Par contre il a quand même sharp 3 donc le fight peut être quand même serré. Il me demande d'attendre une seconde donc pour l'instant j'en profite pour faire quelque chose de très important. Un petit build en mémoire à ce Cyberg Epic dans lequel je suis quand même arrivé en finale, hein, en FFA. On voit que Cyber's join pour spec ce magnifique fight. Donc c'est parti, il a une rod, pas moi parce que je joue pas rod. Il me rôde pas mal, pour l'instant j'arrive à rendre les coups, mon chien arrive mais il pue la merde, il le rate tout le temps. Il m'a mis un coup de plus, là j'arrive à lui sortir un petit combo. Donc il a 22,
Il est obligé de full run mon chien parce que mon chien va le battre. Bon, je rate mes. Va le battre, tout à fait. Va le toucher, du coup je rate mes flèches, je vois qu'il heal, donc je heal aussi. Il a tué mon chien malheureusement, bon de toute façon il était useless donc OZF. Là il me met une petite flèche pour tempo, il joue bien. Il a le temps de re-heal, donc il a une gap de plus que moi, mais bon. Heureusement je l'avais combo, donc voilà. On se fight un coup, on échange un coup, donc je me re-heal. Il se re-heal aussi. Et comme je saute, il arrive à mettre un coup de plus. Donc là le fight est tendu quand même. Mais à la fin j'arrive à lui sortir un coup de plus. Et c'est la victoire. C'était close quand même, hein. Heureusement que j'ai récupéré ce Williams Enchant qui m'aura permis de win. NTMPA has won with a total of 1 kill avec un S, hein, ne me demandez pas pourquoi. Donc vraiment là je suis super content de win, hein, vous pouvez le voir dans le chat, vraiment. Je suis heureux, c'est ma première win Cyborg. Mon kill record, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel UHC Tonglite. Comme je dis, j'ai jamais eu de kill avant. Voilà, je m'apprête à lui dire thanks for hosting, mais en fait il s'est cassé, hein. Même lui ça devait le faire chier de spec une game de 3 joueurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!